très, très prochainement. Alors, nous avons deux personnes dans cette salle qui grattent depuis ce matin. Je vais les convier à me rejoindre. C'est donc Pascal Lucchesi-Boyer, que j'ai présenté tout à l'heure, et Claudie Le Breton, qui je vous ai déjà présenté. Je peux rappeler, alors Claudie a été présidente de l'Assemblée des départements de France très longuement, présidente du Conseil général des Côtes d'Armor. Il nous accorde son temps pour animer et présider le Conseil des partenaires des territoires de Nouméa avec tous 4 ministères, 5 associations d'élus et un certain nombre d'entreprises privées et d'associations diverses. Et vous faites partie tous les deux du Conseil national du numérique. Merci pour ce déplacement pendant la présentation. Et donc Pascal, également auteur de cet ouvrage dont on parlait, L'élu face au numérique. Donc avant les conclusions de nos hôtes, quel est votre étonnement, votre humeur en sortant de cette journée, Claudie? Merci Florence. D'abord, un rapport d'étonnement n'est pas un exercice de synthèse. Je tiens à le préciser d'emblée, et c'est forcément un point de vue personnel. En quoi ai-je été étonné par ce que j'ai entendu, ce que nous avons entendu, Pascal et moi-même, tout au long de cette journée? C'est vrai que j'avais déjà fait cet exercice à Beauvais, hein, et j'avais beaucoup apprécié. Ce qui nous amène à être présents de bout en bout. Je suis là depuis ce matin à 9h, et j'étais dans un atelier, on ne peut pas aller dans tous les ateliers, et j'ai écouté avec attention ce qui s'est dit de la part des uns et des autres. Et je dois dire, une certaine richesse de propos, d'où qu'ils viennent, du monde des collectivités, les élus, les fonctionnaires, les entreprises qui sont présents, le monde universitaire. C'est-à-dire que là, on a une richesse d'experts, de points de vue. Un étonnement, on a encore quelques difficultés à aller jusqu'à la controverse. C'est-à-dire ne pas avoir peur, sur un certain nombre de sujets, de ne pas avoir la même analyse, de faire pas forcément les mêmes positions. Il faut aller jusqu'au bout, à partir du moment où elle est très, non pas contrainte par un cadre, mais par l'acceptation collective et individuelle, que ce n'est pas parce que nous n'avons pas le même point de vue que nous n'avons pas un respect les uns pour les autres et que nous apprécions. Je crois que ça, c'est important. On le voit que trop souvent, sur les plateaux de télé, mon cher ami, je pense à la même chose que vous, hein, mais je crois qu'il faut lever un certain nombre de préventions. Alors mon étonnement, il peut être positif et il peut être négatif. Ce matin, sur le préambule à nos travaux, avec les interventions de Laurence, je trouve que je note qu'il y a des progrès. Incontestablement, petit à petit, nous entrons dans l'ère du co. Vous savez que j'ai produit un rapport remis au Premier ministre il y a de cela quelques jours sur une nouvelle ambition territoriale pour la France en Europe concernant l'aménagement et le développement des territoires. Et aujourd'hui, par rapport à la fracture démocratique, l'intérêt et je veux dire même l'impératif de plus en plus que quand on envisage un choix dans le domaine des politiques publiques ou autres, c'est-à-dire dès la genèse, il faut, sur l'analyse, sur l'intérêt, sur l'opportunité de faire ou de ne pas faire, il faut, là, effectivement, être complètement dans la participation et plus, pas simplement la consultation, mais véritablement dans le débat intellectuel, philosophique, stratégique. Et ça, on ne passe pas d'une France jacobine du jour au lendemain à une France, n'est-ce pas, girondine. Hein, et on le sait bien les uns les autres. Et je pense que le jacobinisme a encore de beaux restes dans notre pays et du progrès. Mais satisfaction parce que des progrès, et tu peux en attester, que sur le gouvernement ouvert, il y a véritablement une association. Alors, j'aime pas trop le terme de société civile parce que société civile, c'est un peu excluant. C'est-à-dire, on voit bien qui est dans la société civile et les autres n'y seraient pas, et souvent les élus. Alors que les élus sont d'abord des citoyens qui assument des responsabilités électives momentanées. Donc, je crois que là, c'est plutôt... ça va dans le bon sens. Il faut que ça aille beaucoup plus loin. On l'avait vu avec la COP21, où manifestement des progrès avaient été réalisés. Ce que je retiens dans l'atelier de ce matin sur relations citoyens, collectivités, d'ailleurs,
dans l'appellation, on voit bien les citoyens, des individus et les collectivités. Mais les collectivités sont aussi des citoyens engagés ou des fonctionnaires. Donc, sur ce sujet, il y a une question qui revient souvent, je l'entends d'ailleurs comme une antienne, c'est qu'est-ce que le numérique ? Alors, il y a cette question, et c'est revenu. Est-ce que le numérique est un outil ? Tout à l'heure, il y a un élu qui a dit non, c'est un moyen. Et puis, d'autres sont intervenus en disant c'est une culture, c'est un changement de paradigme. Ce qui est incontestable aujourd'hui, quand on est en charge de responsabilité, et si on regarde le passé, le présent, et bien entendu, essayer de regarder l'avenir, c'est que il y a quelques années, quand on parlait d'éducation, de solidarité, de sport, de culture, on n'avait pas à l'esprit le numérique, l'Internet, les nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et aujourd'hui, comme cela a bouleversé les relations entre les individus, il est clair qu'il est très présent, de façon subreptiste ou de façon éclatante, et qu'on ne peut plus aborder ces questions-là sans avoir à l'esprit ce nouveau mode de relation, cette réalité augmentée auquel, dans laquelle nous sommes. Je crois qu'il faudra, non pas pour dire faut-il absolument le définir, mais je crois que si on veut bien arriver à dialoguer ensemble, il est incontestable que nous passions par la phase derrière le mot « que mettons-nous » et quelle signification ça a pour les uns et pour les autres. Parce que je crois que si on veut effectivement avoir ce progrès sur ce sujet, ça me paraît déterminant. Deuxième élément, il ne faut pas l'écarter d'un revers de main, parce qu'on aurait tendance, parce qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui sont convaincus sur ce défi, comment apporter des solutions, mais c'est vrai que la question de l'accès au numérique, notamment par l'aménagement du territoire en matière de réseau, ils sont encore à peu près 15 à 20% qui, malheureusement, dans des territoires, n'ont pas l'accès au numérique. Donc, ne balayons pas en disant, bon, les tuyaux, c'est derrière nous, maintenant, c'est les usages. Oui, moi, je suis tout d'accord avec cette explication, d'autant plus que je vous donne une information. La Cour des comptes s'est saisie, avec les chambres régionales, d'un rapport sur les délégations de services publics, sur donc les RIP 1 par rapport au haut débit, alors qu'il y a déjà les RIP 2 par rapport au très haut débit. Et je crains que ça ne va pas être très favorable, notamment, encore une fois, au monde des collectivités territoriales, sur les choix politiques qui ont été faits, et d'ailleurs, quelle que soit la sensibilité politique des majorités. Donc, préparons-nous, à mon avis, et ça viendra très vite, à ce débat qui s'ouvrira dans notre pays à cette occasion. L'étonnement sur des questions ou voire des amorces de débat qui ne vont pas forcément jusqu'à leur terme. On a bien vu ce matin l'accès aux services publics, aux métiers, etc. Mais est-ce qu'on se pose la question ? Est-ce que le numérique, je fais assez simple, ne va pas percuter ou ne percute pas déjà de façon frontale et brutale la notion de service ? Pas que de service public, mais de service à la personne. Et ça met en exergue, y compris, le secteur marchand et le secteur privé. Regardez la question aujourd'hui de la grande distribution avec, là aussi, et d'autres commerces sur l'achat en ligne. Ce que c'est en train de faire, y compris dans nos collectivités. Moi, j'entends des villes moyennes qui disent, je vois Saint-Brieuc que je connais bien en Côte d'Armor, 147 commerces fermés. Alors, je ne veux pas dire que c'est de la faute du numérique. C'est certainement la société à laquelle nous sommes. Mais souvent, ça revient. Donc, je crois qu'on a intérêt, à mon avis, sur l'intérêt général, les biens communs dont on parle souvent, de tenter de répondre à cette question. Donc, je suis un peu cursif, hein, mais c'est l'exercice, y compris d'ailleurs, ayant encore participé à l'élaboration des contrats de plan, puisque c'est revenu au contrat de projet élu collectivité territoriale, eh bien, on parlait encore dans ces instances de déplacement, de transport, avec la notion des réseaux, des infrastructures. Mais aujourd'hui, dans les déplacements, qu'est-ce qui est en train d'organiser les déplacements ? Les applications numériques. D'ailleurs, à la télévision ce matin, je regardais sur iTélé un reportage sur le salon de l'automobile, le salon mondial de l'automobile, et il y avait le patron de Babelcar. Et c'est vrai que ce qu'il a initié, ça a complètement modifié, là aussi, dans le déplacement, les individus. Et on pourrait prendre beaucoup de sujets. Et aller en allant plus loin, regarder quelles sont les collectivités et les services publics qui ont créé des applications publiques. Donc, ça pose la question, là aussi, de l'innovation. Puis je terminerai, pour laisser la parole à Pascal,
parce qu'on s'est beaucoup concerté, hein, tous les deux, et c'est notamment sur la question de l'identité. Alors, c'est un débat intéressant, et tu vois, Florence, moi, je nous conseille qu'on ait vraiment des assises sur ce sujet-là. On a commencé à le faire, et moi, j'ai bien aimé un certain nombre de choses. Je suis breton, et dans une région où l'identité historique, culturelle, elle est véritablement une réalité. Et j'avoue que sur ce sujet de l'identité numérique, nous, on aborde cette question-là de façon totalement apaisée. Parce que nous, la question identitaire, on l'a réglée. C'est-à-dire, elle évolue, etc. Et d'ailleurs, on a un programme avec Jean-Yves Drian, ça s'appelle Bretagne numérique, avec point BZH. Donc, vous voyez, il y a des réponses, et je peux comprendre qu'elles se posent de façon différente d'un territoire à un autre. Mais ce que tu as dit, Karine, l'état juridique s'impose au numérique. J'ai noté hein, ton expression. Hein. Voilà. Oui. Mais on peut... Voilà, d'accord. Mais non, je ne parle pas du territoire, je parle de l'état juridique par rapport, effectivement, à l'individu. Ça veut dire que la question, tu peux la renverser, c'est-à-dire, est-ce que le numérique s'impose aussi à l'état de droit? Et ça renvoie à un certain nombre de débats. Moi, je suis conscient que je pense que le Parlement va avoir à produire beaucoup de droits sur le fait qu'il faut garantir les libertés individuelles et collectives. Parce que ce qui se passe avec les GAFA aujourd'hui, on le voit, si, sauf parce qu'on peut imaginer de vivre dans un État sans droit. Après tout, avec un État qui irait un libéralisme débridé sur cette question de droit et de laisser la liberté demain à un certain nombre d'entreprises d'assumer les services publics. Regardez, est-ce que Uber a demandé l'avis aux uns aux autres pour dire on a un droit sûr qui réglemente les taxis, hein, et ça s'impose parce que pourquoi ben, l'opinion publique, les gens vont là où c'est le plus simple, où c'est le plus facile, et là où ils y trouvent leur intérêt. Hein, donc ça me paraît là aussi déterminant. Donc voilà sur les étonnements que j'ai eus aujourd'hui. Moi j'aime bien aimer l'élu qui dit je n'arrive jamais avec un projet ficelé devant les citoyens. Très bien, il est déjà dans l'air du coup. Hein, bon, à voir sur. Et puis je terminerai sur un point. Moi je suis de plus en plus convaincu, alors après une certaine expérience qui est faite d'échecs hein, et de succès, il ne faut pas non plus se leurrer quand on est élu pendant plusieurs années. On a essayé un certain nombre de formules, ça a marché, quelquefois ça s'essouffle, etc. Mais ce qui est patent aujourd'hui, c'est que l'innovation, la créativité, elle est désormais beaucoup plus dans les territoires qu'au sommet de l'État. C'est-à-dire les procédures qui nous viennent d'en haut, hein, et qui, avec des préfets, des services, etc., moi je crois que ce temps-là est révolu. Et si on veut évidemment s'en sortir, eh bien, c'est de créer les conditions les meilleures de l'innovation sociale et territoriale. Et ça, à mon avis, le numérique est une formidable opportunité pour le faire. Merci, Claudie. Bravo, parce que l'exercice n'était pas facile. Alors voilà, on conclut avec une femme. Il y a quelqu'un qui m'a dit avant, dans la préparation, il n'y a pas beaucoup de femmes à ton programme. Alors je me suis dit qu'il fallait rassembler. Donc j'ai appelé Karine, j'ai appelé enfin toutes. Voilà. Et je voudrais souligner ça parce que je sais qu'on va travailler avec les femmes élues sur ces sujets-là. Et il n'est pas anodin de remarquer qu'il y a de plus en plus de femmes sur la question territoire et numérique et que ce n'est pas seulement investi par les hommes. Je te laisse la parole. Merci. Bon, c'est pas parce que je suis une femme que je suis là. Hein. Non, mais voilà. Non, mais je voulais. Non, mais je plaisante. Non, on n'avait pas de quota. Ça s'est vu aussi, mais c'est vrai qu'on peut y remédier. Alors, c'est un exercice difficile. Et justement, pour faire suite à ce que vient de raconter également Claudie Le Breton, avec lequel on a souvent l'habitude de faire des duos maintenant depuis quelques années sur différentes casquettes. Et aujourd'hui, c'est avec ce rapport d'étonnement. Quand on s'étonne, moi je m'étonne du nombre de questions qui restent à la fin de cette journée d'investigation non résolues. C'est-à-dire qu'on a sorti encore plus de questions qu'on en avait en arrivant. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi et pour d'autres, je crois, il y a encore plus de questions à la fin de cette journée qu'au début. Et donc je ne vais pas en faire l'inventaire. En revanche, je voudrais insister sur deux sujets. Un premier sujet... qui avait trait à l'atelier où je participais ce matin, puisque on nous a demandé d'être sur un atelier. Donc j'en extrais mon rapport d'étonnement. Et mon rapport d'étonnement, c'est que l'atelier, c'était la fonction publique au XXIe siècle. Alors moi, je me suis dit,
Ben, on va regarder la fonction publique demain. Et en fait, on a pris les choses dans le même sens que d'habitude. On a re-regardé comment on formait dans les filières de formation. Donc, on a beaucoup parlé d'apprentissage et de CFA, par exemple. Et on avait, dans mon atelier, on avait beaucoup, beaucoup de jeunes. Et je me suis dit, mais les jeunes, ils vont sortir des sentiers battus, ils vont oser innover, ils vont oser parler autrement. Pas encore. Alors, mon rapport d'étonnement s'arrête là parce que je me suis dit, il y avait le professeur, il est là, je crois. Ils n'ont peut-être pas osé. Hein, je crois qu'ils n'ont pas osé. Mais s'ils avaient osé, ils auraient peut-être imaginé ce qu'ils étaient incapables de faire aujourd'hui. Et ça, c'est repris d'un écrivain français. Et peut-être que ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était faire ce qu'on était incapable d'imaginer parce qu'on a des contraintes réglementaires, parce qu'on a des lois, parce qu'on a un cadre. Et que dès qu'on veut imaginer autre chose, on se dit, ah bah, on ne peut pas. Ah ben bah oui, mais là, on ne peut pas. Alors là, il y a le statut de la fonction publique, puis là, il y a la règle. Là, y a... Et en fait, on ne peut pas. Donc ça, c'était mon premier rapport d'étonnement, c'est qu'on n'a pas, de mon point de vue, su imaginer et transformer notre fonction publique demain. On a juste regardé comment on pouvait améliorer des systèmes qui existent. Et puis, deuxième rapport d'étonnement aussi sur cet atelier, c'est qu'on n'a pas fait d'inclusion. On parle beaucoup de e-inclusion quand on est dans le numérique. On n'a pas fait d'inclusion. Et qui est-ce qu'on n'a pas inclus dans nos réflexions? Eh bien, ce sont les autres. Alors, qui sont les autres quand on est dans le secteur public? Ben, c'est le secteur privé. Comment est-ce que cet acteur majeur de nos territoires, qui sont aussi les acteurs privés, ceux qui exercent des fonctions publiques ou privées, comment est-ce que ceux-là vont intégrer la puissance publique? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on veut faire muter, plus que révolutionner un système, muter, il faut mettre des petites touches. C'est ce que font le système vivant. Hein. C'est par inclusion. C'est comme ça que nous sommes arrivés à être des homo sapiens, parce qu'avant, il y a eu des mélanges de populations et qu'au final, nous sommes ce que nous sommes. Eh bien, la fonction publique, elle peut peut-être faire la même chose et faire de l'inclusion, de la e-inclusion, en tout cas de l'inclusion d'une autre bête qui est celle issue du privé, qui pourrait venir nourrir et on va appeler ça une immigration souhaitée ou voulue. Ça, c'était pour le petit trait d'humour. Alors ça, c'était l'atelier de ce matin. Et puis, la deuxième partie de cet après-midi, on a, de mon point de vue, on a parlé, bien sûr, d'identité, on a parlé de numérique. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé de gouvernance. On a parlé de gouvernance. Si je fais un pont avec ce que je viens de dire, et parce qu'il y a Aki Mourad dans la salle, lui, il parle de PPPP, de partenariat public-privé avec la population. Et ben, on a parlé de ça, en fait, Aki. Et cette hybridation que j'avais attendue dans la redéfinition de l'action publique, on l'a trouvée dans les différentes interpellations qu'on a données à l'identité numérique. Et en fin de compte, moi, si je retenais quelque chose, ce n'est pas l'identité numérique, ce sont les identités numériques. Parce que dans les identités, on va regarder quelles sont celles qui sont liées à l'individu, quelles sont celles qui sont liées aux données, quelles sont celles qui sont liées au territoire, quelles sont celles qui sont liées également aux données issues du secteur privé. On a eu des exemples tout à l'heure de partenaires industriels qui nous disaient mettre le citoyen au cœur de la problématique. Je ne sais pas s'ils sont là dans la salle, mais je n'aurais pas dit ça, moi. Ils ont mis leur usager au cœur du système. Le citoyen, c'est autre chose. Le citoyen, c'est celui qui compose le territoire, c'est celui qui interagit, c'est celui qui, dans le monde numérique, va pouvoir co-construire plus que participer. Et pour cela, il faut qu'il ait des données. Et donc, quand on parle dans le secteur privé trop souvent, encore trop souvent, j'aspire à ce que ça change, mais on parle d'usager, on se trompe quand on dit citoyen. Non, non, on parlait d'usager. Celui qui consomme l'eau, celui qui consomme l'électricité, celui qui consomme un service. Ce n'est pas la même chose. Et donc, dans la problématique de l'identité, hein, je me faisais une remarque très personnelle suivante. C'est qu'en 2003, j'étais co-rapporteur d'un rapport au Sénat qui s'appelait « Le droit universel au patrimoine numérique citoyen ». Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, on se disait « Mais comment est-ce qu'on va faire ?» avec toutes ces données qui sont issues de l'individu, que l'individu produit, que l'individu suscite hein, de par l'administration, mais au-delà du secteur privé aussi, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Est-ce qu'il y a un danger? Donc à l'époque, on se disait, mais quels pourraient être les dangers? Alors on avait identifié ce qui a été évoqué, on va dire le fait qu'un autrui se l'approprie, donc...
et puis également des dangers d'identification abusive. Ce qu'on n'avait pas complètement vu, et ce qui n'a pas tellement été repris ici, alors que France Connect a parlé encore une fois de bipolarisme, je dirais, public-citoyen, on a encore une fois oublié le privé. Qui est-ce qui aujourd'hui fait le meilleur connecteur du monde ? C'est pas France Connect encore. Je le souhaiterais, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, le meilleur connecteur du monde, c'est celui qu'on vous propose toutes les 5 minutes dès que vous voulez avoir un service, c'est Facebook ou Google. On vous dit, vous vous connectez avec X, Y, Z ou Facebook ou Google. Il faut en parler. Il faut en parler parce que lorsque l'on regarde le citoyen acteur de sa cité, il est consommateur ou acteur avec le service public. Oui, c'est l'objet du débat d'aujourd'hui. Mais il est un acteur engagé dans la cité avec, il consomme d'autres services. Et si en réalité, 8 fois sur 10, l'application qu'il utilise lui demande de se connecter avec Facebook, bah, spontanément, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire et il va oublier qu'il y a France Connect. Et il va oublier que nous, la France, on essaye de protéger nos citoyens, notre citoyenneté, nos données pour qu'elles ne partent pas dans un territoire pour lequel la loi française et la loi européenne ne s'exercent pas. Donc derrière le sujet de l'identité et de l'identité territoriale, moi je voudrais qu'on puisse aussi poursuivre ce raisonnement qui dépasse la sphère bipolaire, parce que si on veut bien marcher, il ne faut pas marcher à cloche-pied. On ne marche pas que avec le secteur public quand on est un citoyen, on marche avec tout ce qui compose notre écosystème. Et donc le numérique, dans la multitude d'identités, moi ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que nous sommes tous en termes d'évolution en train de muter avec le numérique, au sens darwinien du terme. On est en train de muter, mais lorsqu'on mute, on ne le fait pas seul, on le fait dans un collectif. Ce collectif, il est public. Il est avec ce citoyen, donc c'est la population. Et il est privé, qu'il soit associatif ou économique. Le secteur privé doit aussi intervenir dans les échanges et dans les réflexions, même quand on parle d'identité et même lorsqu'on parle de territoire. Voilà ce que je voulais évoquer dans mon rapport d'étonnement. Et puis juste une petite conclusion, parce que c'est celle qui est dans mon bouquin et puis je l'aime bien, tu m'autorises. C'est qu'on avait fini par reparler des outils. Et ce que j'aime bien rappeler, c'est que ce n'est pas la technologie qui change le monde, c'est le choix qu'on aura collectivement d'en faire usage. Et j'espère qu'on a tous cela à l'esprit lorsqu'on opère des choix de décision politique. Merci à vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Pascal. Alors, lisez son livre, ses rapports, les rapports d'Hakim, le rapport d'Hakim, le rapport de Valérie Peugeot, les anciens rapports. Enfin, évidemment, on n'a pas le temps de lire tout ça, mais malgré tout, donc, avec l'Internet, on a entamé un travail de restitution, mais une forme de continuer. Comment continuer après ces rapports? Comment capitaliser sur ces rapports? Et bientôt, vous trouverez en ligne un concentré de ce travail qu'on est en train de terminer en ce moment, le plus collectivement possible. Voilà, donc je voudrais vous remercier et bien sûr...